Marie est sur le cinquième barreau d'une échelle posée à la verticale. Cette échelle possède 15 barreaux et deux barreaux consécutifs sont séparés par une hauteur de 0,5 m. Elle hésite entre monter, descendre ou rester au niveau actuel où elle se trouve. Alors bon, Je vais dessiner cette échelle hein, pour qu'on y voit un peu plus clair. Alors Je vais dessiner les montants. Hein, les... Voilà, ça, c'est les deux montants verticaux. Voilà. Maintenant il faut que je trace les 15 barreaux, hein, l'échelle à 15 barreaux. Donc alors, un premier barreau, je vais le mettre ici, donc j'ai un barreau là, un deuxième barreau, un troisième, quatrième, cinq barreaux, six barreaux, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze. Voilà. Et là, j'arrive en haut de l'échelle. Donc, j'ai vraiment dessiné les 15 barreaux de l'échelle. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que deux barreaux consécutifs ici sont séparés d'une hauteur de 0,5 m. En fait, ça veut dire que cette distance-là entre deux barreaux, n'importe quel barreau ici, c'est 0,5 m. Donc, 50 cm. Tous les barreaux sont espacés de 50 cm. Et au départ, au départ elle est au cinquième barreau. Elle est au cinquième barreau. Donc ça c'est alors je vais dessiner ici ça c'est le sol hein. voilà ça c'est le sol ça c'est le premier barreau deuxième barreau troisième barreau quatrième barreau cinquième barreau donc au départ Marie elle est ici elle est ici sur le cinquième barreau et elle hésite entre monter descendre ou rester au niveau actuel où elle se trouve donc rester à ce niveau là soit h de n la hauteur h à laquelle se trouve le pied de Marie en mètres lorsqu'elle est montée ou descendue de n barreaux si Marie grimpe l'échelle, n est positif, sinon n est négatif. Alors qu'est-ce qui se passe Marie est à ce niveau-là, sur ce barreau-là. Elle peut monter d'un certain nombre de barreaux ou descendre d'un certain nombre de barreaux. Voilà. Alors, pour être sûr de bien comprendre, on va, on va essayer de calculer quelques valeurs de h. Hein. Donc par exemple h de 0, h de 0 ici c'est euh, la hauteur à laquelle Marie se trouve quand elle a, quand elle a bougé de 0 barreaux. Donc en fait, elle n'a pas bougé. Elle est toujours sur ce barreau-là. Hein. Donc H de 0, ça va être la hauteur à laquelle elle se trouve à ce barreau-là. Alors, on va supposer que ici, il y a une, euh, que le premier barreau est situé à 50 cm de hauteur aussi. Hein. Et du coup, elle sera à une hauteur de 1 barreau, 2 barreaux, 3 barreaux, 4 barreaux, 5 barreaux. Donc en fait, à une hauteur de 5 fois 0,5. 5 fois 0,5 m ça fait 2,5 mètres. Donc voilà, quand elle ne bouge pas, elle est toujours à la même hauteur, qui est h de 0, c'est 2,5 mètres. 2,5 Alors on peut calculer une autre valeur. Qu'est-ce qui se passe par exemple si Marie a grimpé de 1 barreau Donc elle, on va prendre 1 positif, hein, n c'est le nombre de barreaux, et là si on, si on calcule h de 1, h de 1, 1 est positif, ça veut dire qu'elle est montée de 1 barreau. Donc si elle est montée de 1 barreau, je vais faire en vert, ici si elle est montée de 1 barreau, eh bien, on va arriver à h de 1, ici, et h de 1, ça sera le, bah, 50 cm de plus que h de 0, donc ça, fait, ça va être 3 mètres. Voilà. Donc h de 1, c'est 3 mètres. Voilà. Et on pourrait continuer comme ça, calculer la hauteur à un certain nombre de barreaux, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous demande ici, donc on ne va pas le faire. Ce qu'on nous demande, c'est de quel type de nombre est constitué le domaine de définition de la fonction. Alors en fait, n. Le N dont on parle, c'est un nombre de barreaux. Hein. C'est-à-dire que Marie peut monter de un barreau ou de deux barreaux ou de trois barreaux. Elle peut aussi descendre de un barreau ou de deux barreaux ou de trois barreaux, mais elle ne peut pas par exemple monter de un demi-barreau. Hein. Si elle montait de un demi-barreau, elle mettrait le, le pied ici, dans, ça serait dans l'air. Donc ce n'est pas ce qu'elle fait, elle ne peut pas s'arrêter à un demi-barreau, puisque ça serait s'arrêter dans le vide, ce qui n'est pas très intéressant pour elle, je pense. Donc voilà, elle va monter d'un certain nombre de barreaux, un nombre entier de barreaux. Elle ne peut pas monter non plus de, de pi barreaux, elle ne peut pas monter de, de, de 2,3 barreaux, parce qu'à chaque fois, ça correspondrait à, à s'arrêter dans le vide. Donc ce n'est pas ce qu'elle peut faire. Donc finalement, la, le domaine de définition de la fonction, en fait, c'est forcément un nombre entier. Elle va monter d'un certain nombre entier de barreaux. Et plus précisément, en fait, ça va être des entiers relatifs, puisqu'on nous dit que n aussi peut être négatif, quand Marie descend, descend un certain nombre de barreaux. Donc le nombre n, ça peut être aussi un entier négatif. Donc ici, le domaine de définition de la fonction, il est constitué de, entiers, de nombres entiers relatifs. Alors, est-ce que ce domaine de définition, c'est tous les nombres relatifs, tous les nombres entiers relatifs Ben non, puisqu'elle ne peut pas monter de 100 barreaux. Hein. Là, elle serait en dehors de l'échelle, donc elle serait encore dans, dans le vide. Elle ne peut pas non plus descendre de 100 barreaux, par exemple, parce que là elle serait sous terre, donc ce n'est pas possible. Et ce qui est important pour Marie, c'est qu'évidemment qu'elle reste sur l'échelle. Hein. Donc maintenant, on va passer à la, à la partie suivante de la question. Déterminer ce domaine de définition, ben c'est ce qu'on vient de commencer à faire. En fait, on va obtenir non pas tous les relatifs, tous les antirelatifs, mais un certain sous-ensemble de ces nombres relatifs, puisqu'elle doit rester sur l'échelle. Alors effectivement, là, on va avoir un intervalle de valeur, et on doit l'écrire ici. Hein. Donc on va essayer de déterminer déjà la valeur minimale que peut prendre le, la variable n. En fait, ça correspond... À de combien elle peut descendre de barreaux. Hein. Alors, si elle descend de un barreau, elle se retrouve au quatrième. Elle si elle descend encore de un barreau, elle se retrouve au troisième, puis au deuxième, puis au premier, puis par terre finalement. Et ça, ça correspond à une situation acceptable. Hein. Donc, ça veut dire que finalement, la variable n peut être égale au minimum à moins 5. Moins hein. 5, ça correspond à être descendu de 5 barreaux. Voilà, donc la valeur minimale c'est moins 5, ça correspond à descendre de 5 barreaux. On va regarder maintenant la valeur maximale. Alors elle peut monter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barreaux. Et si elle monte de 10 barreaux, elle va se retrouver sur le dernier barreau de, de l'échelle, le plus haut, c'est-à-dire sur le 15e barreau. Donc je vais mettre cette valeur-là, 10. Voilà. Alors maintenant il faut préciser si oui ou non on, on, on inclut les bornes de cet intervalle. Alors pour n égale moins 5, on est descendu de 5 barreaux, et ça c'est tout à fait possible puisqu'on a vu que Marie à ce moment-là serait au sol. Donc on va inclure cette borne-là dans le domaine de définition, et ça je le montre en mettant un crochet fermé vers l'intérieur. Alors pour la valeur n égale 10, elle est montée de 10 barreaux, et ça c'est possible aussi, donc j'inclus cette valeur-là, ce que je montre en mettant un crochet fermé vers l'intérieur. Voilà. Bon, par curiosité, on va quand même aller contrôler nos réponses sur le module de la Khan Academy où j'ai pris cet exercice. Alors, qu'est-ce que j'ai dit Que c'était des nombres entiers relatifs et que le domaine de définition c'était moins 5 inclus, 10 inclus. L'intervalle de nombres entiers relatifs compris entre moins 5 et 10 inclus. Voilà